Alors oui, Jean-Claude Boudard, je suis élu en charge du sport, fête et cérémonie à la ville de Sainte-Marie. Quoique aujourd'hui, un moment exceptionnel, un moment important pour les Samaritains de France d'ailleurs, qui se retrouvent chaque année ici à La Richée. Quoique, il y a une volonté municipale de la ville de Sainte-Marie de regrouper les Samaritains de France et les Samaritains de Sainte-Marie, et je dirais même des Martiniquais qui sont ici présents aujourd'hui. Quoique, j'ai pas de mots pour vous dire comment je suis satisfait, content de voir autant de personnes ici sur cette plage à La Richée, et nous sommes en train de passer un excellent moment. Quoique, on ne change pas une équipe qui gagne, chaque année on se retrouve à la même période ici à la place de La Richée. Je suis aussi en charge du sport à la ville de Sainte-Marie. C'est vrai que nous avons un événement le 15 août qui sera l'inauguration du stade Louis Hercès. Je crois que toujours dans la volonté de diversifier les activités, de donner des équipements de qualité aux Samaritains et aux Martiniquais, c'est vrai que nous allons inaugurer le 15 août un super stade au niveau Martinique. Je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs pelouses. Enfin, je crois que c'est très important pour nous d'être présents au niveau des équipements de qualité sur la Martinique entière. Alors, c'est vrai que nous avons des invités, hein. Je crois que le 15 août, ce sera un moment important pour les équipes de Sainte-Marie, Samaritains. Hein. Je crois que nous aurons le lancement des S, la SEF et la Samaritaine qui joueront le 15 août dans l'après-midi au stade de Louis Hercès. Et un invité, nous avons le CES Moulin, champion de la Guadeloupe. Je crois qu'il y aura vraiment un plateau excellent le 15 août à Sainte-Marie.